Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur l'épisode 23 de Enter the Gungeon World 200%. Alors, la dernière fois, on s'est lamentablement vautré la gueule sur l'aura. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va pas faire l'aura jusqu'à qu'on soit vraiment sûr qu'on puisse le one-shotter ou un truc comme ça. Donc, là pour l'instant, tout ce qu'on va faire dans cet épisode, ça va être de essayer de. Juste de tuer notre passé en tant que la balle. On était bien parti pour la dernière fois, et vu que je suis très con, j'ai tout fait foirer, donc on va réparer tout ça. Oulala, non, shoot non. Alors, vous m'excuserez pour ma voix un peu. Je suis légèrement. Je me sens pas très bien en ce moment. Disons que je suis légèrement fiévreux. Du coup, je parle comme si j'étais bourré. Et du coup, ne soyez pas étonnés que je dise de la merde ou. Ou que mes réflexes sont fortement éteignés. Sinon, ce sera comme d'hab, hein, j'ai juste. Tout ce que je vais faire, c'est chantonner la musique du fond et c'est tout. Oulala! Des munitions, ce qui n'est pas très utile en ce moment. Ok, on continue. Oh, on a un accès facile au. Bon, évidemment, elle est déjà prise. On a un accès facile aux aiguilles. Voilà. On va en haut. Donc, un coffre bleu, putain. Je suis quelque peu frustré. Mais cela n'est point grave. Car le blasphème est une arme très 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 puissante. Avec évidemment le truc de Payday. Vraiment, si tu veux payer, il faut que je les prenne dès que j'en ai l'occasion. Et quand j'y pense, dès que je serai au land, je pourrais les avoir, vu que j'ai juste à tirer dans le shop, puis à les prendre. Ouais, c'est un bon plan, ça aussi. Alors, on va. Pour moi, c'est déjà fait, bon, c'est parti. Tac, on va pas prendre des risques. Oulala. 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 Un petit peu, il va sauter sur moi. Allez, easy. Ok, le AU. Moi, c'est pas ouf le AU, mais
On va essayer d'abord dans les... Genre dans cette salle de quoi. Ça se fait ricocher sur les deux murs. Oh. Un bouclier. Ok. Ok, ok, bon bah c'est parti, on va dans les oubliettes. Easy game, easy life. J'espère que le micro est pas trop chiant. Oulala, oulala, oulala. Dites donc, monsieur. Tac. Un fantôme. Voilà. Tac. Putain, je suis beaucoup trop en ce moment. Les premiers morts sont toutes moites là. Oh. Oh. Il est pas fermé, c'est une bonne nouvelle. Non ! Putain, merde. Saperlotte de merde. Ouais, il me vendra pas autre chose avant que je lui ai pris la bécasse à butin. La bécasse à butin, c'est vous gagnez plus d'argent, il y a plus de chances que d'argent. Enfin, à la fin d'une salle, il y a plus de chances que l'argent drop. Mais quand vous faites mal, votre argent tombe sur le sol. Vous perdez jusqu'à 25% de votre argent. Il faut le récupérer sur le sol avant qu'il disparaisse. Parce que oui, l'argent qui drop de vous à partir de la bécasse à butin disparaît. Donc c'est pas vraiment un avantage d'avoir cette arme. Enfin d'avoir cet objet. Voilà. Non. Non. La 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 la. Tac. Tac. Là si j'en servais une grenade. Ça fait boum. C'est le boss. Tac. Voilà. Les gages de la ferraille. Putain. Snipe. Nien. 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 Ouh là là, c'est un sniper pro. Ah putain de merde. Salope. Saperlotte de merde. Ouh là là. Voilà. Ah putain, j'ai peur. Ouh là là. Non. Ah, vous voyez, bah voilà, c'est ça le... C'est ça le... C'est ce qui arrive quand on est... Qu'est-ce qui arrive quand on est fiévreux et qu'on n'a pas les bons réflexes? Bloop. Bon bah c'est parti. C'est parti. Ouh là là. Non, encore.
Saperlipopette. Non. Le saut. Le saut. Tac. Tac. Oula, je vais me faire mal. Enfin, je me suis failli faire mal. Pourquoi je dis tout le temps je me suis failli faire mal? C'est pas français du tout, ça. Bon, allez. Facile. Oh, le trash cannon, ben, ça tombe bien. Ça tombe bien, dis donc. On casse celui-là. Allez, on casse celui-là. Voilà, comme ça, c'est encore plus puissant. Note, quand vous prenez de la ferraille, plus vous avez de ferraille. Enfin non, quand vous avez le trash cannon. Plus vous avez de ferraille, plus c'est puissant. Moi j'ai même pas de balles blanc. Ah si, j'en ai un. Le shop, peut-être. Je sais pas. Non. Non. Bon bah. Oh non, ok. On n'a rien raté. On prend l'armoire. On prend les vieilles armoires. On prend le Old Crest. Je sais pas vraiment si j'ai envie de faire l'abbaye. Ça risque d'être très très difficile. Hein. Ah ouais, cool, le shop il est là, mais il est bloqué. On va tester la puissance de notre... Oh bah... Pour l'instant, ça m'a l'air... plus puissant que d'habitude. Voilà. Là, chez Monsieur le Shop. L'arme à feu. Non, c'est pas ouf les larmes à feu. C'est pas ouf les larmes à feu. Oulala là là. C'est quoi là? Ok, c'est le boulet qui meurt. Voilà. Ouh là là, je vais traverser cette salle. Yeah. Allez, encore des coffres de merde. Je sais vraiment pas si j'ai envie d'y aller. Je sais vraiment pas. Ouais, parce que tout ce que je risque, c'est de me faire reculer. Je vais pas le faire. On me dit pas que... Ok, c'est bon. J'ai cru que j'enregistrais pas. Non ! Bah voilà.
Ah, ça perd les popettes. Oulala, oulala. Voilà. Coffre vert. Allez. Oh. Le fat line. Le fat line. Voilà. Et là, il y a un bullet chinois. Voilà. Bam, bam, bam. Balle à blanc. Très bien. Et des munitions pour ça. Ouh là là, le début long, je déteste le début long. Voilà. Là, encore des munitions. Ouais, allez. Non. Voilà. Oula, je vais me faire mal. Je me suis failli fait mal. Pourquoi je dis devant ça? C'est déjà le boss. Bon, allez, on y va. On y va. On regrette rien. Non, il a boosté. Il est boosté. Ah non, il n'est pas boosté. Et ben non, chef. Voilà. Ouh là là. Ben voilà, c'était pas si dur. Ouais, parce que l'Armaconda, c'est un des pires boss du jeu. Hein. Je le déteste, l'Armaconda. Ça fait comme ça l'Armaconda, parce que l'Armaconda c'est non en anglais, mais oui, Armaconda. Tac, tac, boum, table tech, les Sitagoïdes. Pour info, c'est quelque chose de très très marrant. Ah, 3, 2, 1, MDR, j'adore, j'adore, Dior, j'adore. Voyons si c'est une... Ok, on va péter ce coffre aussi. La ferraille, excellent. Ici. Allez. Balle blanc, munition. Oh, 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 oh. Alors ça, les gens, c'est comme le morteau piqueur et le pistolet à eau, sauf qu'à la place de tirer de l'eau ou du poison, ça tire de l'essence. Et quand vous rechargez, ça fait du feu. Si ça, c'est pas magnifique, les gens, vous pouvez recharger à l'infini comme ça.
pouvait enflammer les ennemis, mais... Mais voilà. Et cette énorme flaque de feu, là, je l'ai fait seulement avec deux munitions, là, pour les voir en bas. On va lui acheter des clés. Voilà. Parce que on en achète... Tant que ça coûte pas cher. Et c'est parti, dans la mine. Dans la mine. Bon bah c'est l'occasion de tester notre... Voilà. Voilà, comme ça elle s'enflamme. Encore. Oh, c'était une couche. Voilà. Voilà, une clé, pas mal. Non, non, non. Ok. Boum. Oula, je t'ai vu toi. Je t'ai vu, putain. Aïe. Ça perd l'hypopète. Nique de douille. Ça crôme le coin. Oulala, le poison. Voilà. Voilà. Et je vais traverser cet endroit. Ça me vautrer la gueule. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'essence là. Voilà. On va buter ce mec. Et voilà. Au feu, les pompiers, la maison qui brûle. Je me rends compte que ça fait 5 ans que j'ai pas chanté. Ça fait 5 ans que j'ai pas chanté cette musique. Cette chanson, de maternelle. Le cartographe. Le cartographe. Oui, avec plaisir. Et il y a une cellule avec. Bah oui, elle, évidemment. Un coffre vert. Pierre. Bon bah on laisse. On laisse pour après. Allez, va des rétros. On n'en parle plus. Ah oui mais non, mais ça se propage pas de l'autre côté. C'est un peu con ça, dis donc. Voilà. Non. Non. Encore une clé. Bien, bien, bien. Oula là. Ah, j'ai peur. Ok, le micro marche. Oh, 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 oh. Excellent. Ouais, non. Tac. Tac, tac. Un hérétique, un hérétique. Ah non, comment ça s'appelle déjà? J'ai complètement oublié comment ça s'appelait. Non, c'est pas ici. Un mystique de l'ordre. Non, tu n'enchanteras personne en prenant des catins.
Le shop est en haut. Oh hell no. Voilà. Et la clé de cellule. On va libérer notre jeune demoiselle. Je vais retrouver à nouveau. Si mon cause elle fait ça, je vous préviens, sinon on va commencer. Il faut juste que je retrouve mon chemin. Putain. Et là en fait, il faudra encore kicker le son casque 2-3 fois. Et ça va nous débloquer un casque de mineur qui nous immunise contre les explosions. Donc c'est vraiment pas mal. Boum. Bon allez, ah ouh là là. Voilà. Des munitions. Moi je suis là. Qu'est-ce qu'il me vend? 38 spéciales. Balle enragée, j'aimerais bien avoir un balle enragée. Allez, ça coûte pas cher. Ah bah oui, j'ai tout cartographié. Lui, il devrait me donner une belle récompense. Moteur extraterrestre. Excellent. Je vole. On va ouvrir ce coffre. Oh. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Bon allez, c'est parti. C'est parti. On charge ce truc. C'est Monsieur Tank, c'est Gunzer. Oulala. Oulala, 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 oulala. Tac, 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 tac. Oulala. J'en suis à la moitié, j'ai encore deux balles à blanc. Oulala, oulala, c'est pas bon. Ah, lui qui est encore vivant là, casse-toi. Ok, faut recharger, on garde ça pour plus tard. Allez, allez, allez. Chez, Gadzer, chez. Oh. Oh. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouf, ouf, ouf. Ah oui, j'aime ça. J'aime. Alors, c'est quoi le Red Scarf? Le Bloody Scarf. Ça vous permet de vous téléporter, tout simplement. En fait, quand vous appuyez le bouton de roulette d'esquive enfoncé, une sorte d'ombre de vous apparaît. Et quand vous lâchez, ça vous téléporte là où vous êtes. Et vous pouvez faire mieux, c'est que vous gardez ce truc en place. Genre là, il y a un ennemi qui vous poursuit. Et là, boum, derrière lui, sac. Boum. Omae wa moshin deru. Nani ? Là, c'est un truc comme ça. Du coup, on a encore un balai blanc. On va voir si... est-ce qu'on a des trucs à vendre ? On a des trucs à vendre. Le table tech à la limite, je pense que pas tant que ça. Hein. Je pourrais vendre le table tech. Je voudrais le vendre. Pourquoi tu veux pas?
Oui, je veux bien te payer en fait. C'est le jeu qui veut pas. Mais... Achète! Voilà. Un prix, ma foi, dérisoire, mais raisonnable. Allez, un. Donc, salle secrète, peut-être? J'ai vérifié ici ou pas? Ouais, j'ai vérifié. Bah, c'est sûr, on n'a pas. On teste dans le shop, hein, 3-1. Oh! Oh oh! Oh! Le dueling laser. Laser de duel. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je vous montre la description. Une seule unité n'aurait pas les murs secrets à conserver une édition, mais se recharge comme un objet. À plus de 1000 mondes de nous, sur une planète où règne la guerre perpétuelle, ce pistolet est utilisé pour les duels à mort. Son puissant rayon ne consomme pas d'ammunition. Un certain. Donc en fait, ça fait un énorme laser qui fait ultra mal partout où vous allez. Mais il faut le recharger comme un objet. Là. Genre. Bam! Comme vous pouvez le voir, il y a une barre de rechargement à côté. Voilà, il commence à aller vous vite, le sort de petit bruit, hein. C'est que le laser de duel est fort. Donc là, je déteste les araignées. Je déteste les araignées par-dessus tout au monde. Donc, bam! Ça l'a pas buté. Mais ça l'a beaucoup affaibli. Vous savez quoi? Voilà. Encore des putains d'araignées. Non, j'ai mal visé. Ça y est quoi. Bam. Tac. Par contre, l'écharpe ensanglantée, elle peut vous causer des problèmes, hein, si vous savez pas l'utiliser ou quoi que ce soit. Turbo gâchette, bécasse à butin. J'ai pas envie d'avoir la bécasse à butin en fait. J'ai vraiment pas envie de l'avoir. Mais je suis obligé de le débloquer donc. Bon, je vais finir tout l'étage et si j'ai toujours une planète, je vais en acheter une. Oula. Malaï. Oublié. Alors on va quand même charger les trucs au début. Ok, ça dégage. Très 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 puissant, hein, de... Ok, c'est pas unique. Pas de salle secrète non plus. Salle spéciale. J'ai pas trop envie d'aller au département RNG. Bam. Bam. Allez. Meurs. 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 Une salle secrète, une salle spéciale. Le professeur Gupton. Je sais vraiment pas si je devrais le faire. On verra et si on fail, bah c'est de ma faute, je suis totalement nul. Ce que je plane de faire là, c'est de faire le Advanced Dragon avec le serpent.
C'est un nouveau truc de la nouvelle mise à jour. De la 2.1 je crois. Non, de la 3.1. Je sais plus. Mais c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui fait très très mal. En gros ça rajoute une troisième phase au dragon. Et le truc en fait c'est que je la connais pas du tout cette troisième phase. Donc j'ai la flip, mais la flip totale. Aïe. Boum. Je me suis fait mal une fois. Voilà. Allez, venez. Mais pourquoi ça part rebondi sur lui? Sur l'autre. Non. 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 Ah. Mais. Mais voilà. Avec non. Là. J'ai trop de clés là, à vrai dire. Donc on va ouvrir ce coffre là. Oh. Oh, pas mal. Vu que j'ai tous les étages. Vu que j'ai tous les Master Rand pour l'instant. Putain, cette arme elle va être super puissante dans la forme. Si ça dégage. Pioum. Toujours pas mort. Encore une petite salle en bas. J'ouvre. Qu'est-ce que c'est? Bon fumigène. Invisibilité temporaire. On peut voler les objets avec. Donc ouais. Pourquoi pas. Je vais voir si je peux voler quelque chose au, par exemple au professeur Gupton. Ou à Bélo. Au choix. Je pourrais voler ce flingue là. Non, non, je voulais aller là. Donc, on sort de la salle. Boum. Et on prend... ça. Du coup, là, si je sors de la salle, il va me claquer la porte. Non, merde. Non.
Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Et on verra pour plus tard pour l'œuf. Allez, la muraille de machine, ça tombe bien. Vous savez pourquoi ça tombe bien. Oula, non, 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 ça c'est pas bon. C'est pas, je me suis fait. Je vais faire un bug en fait. Non, 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 c'est pas bon en fait. Il est nul le bug, il est nul, il a été patché le bug. Il a été patché. Putain. Et putain de merde. J'ai perdu la moitié de ma putain de vie avec ce. Oh non, mais je savais pas que le bug a été fixé, enfin il a été réparé. Oh là là. Et j'ai plus de cœur. Ouais, en fait je vais pas faire la Advanced Dragon. Je vais pas faire la Advanced Dragon. Vas-y. Voilà, j'ai débloqué BK Sabutin. Enfin, la BK Sabutin. Et donc, je vais pouvoir essayer de trouver où est la salle secrète. Non, elle est pas là. Elle va être là. Peut-être que c'est chez le professeur Lupin. Juste ici, des munitions, c'est très décevant. Hyper tech. Tâche suivante, c'est parti. On va tellement se péter la gueule. Je vais boire un peu d'eau. Ah merde, j'aurais dû acheter l'œuf, comme ça il me redonne de la vie. Quel con, mais quel con. C'est une maison bleue, adossée à la colline, on y va à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Oh, je sais. Bam, bam. Allo, Igbar. Allo, Igbar. Je vous baise. Non, mais meurs. Donc. Non, 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 je vous déteste. Voilà. Et là, on va pouvoir se téléporter en évitant de se péter la gueule. Arrêtez de bouger. God damn it! Non! Quand est-ce que tu meurs, toi, hein? Voilà.
Et... Nine. Non, raté. Voilà. Le magicien. Le Dark Magician. Pas se soucier avec ça. Comme ça il me voit pas, j'allais dire. Oulala putain. Putain mais cette écharpe en seconde entière, en fait c'est de la merde. C'est de la grosse merde. C'est une énorme merde. Une énorme merde. Une grosse merde, vous voyez. Un étron cosmique. Putain. Allez, vas-y. Cette écharpe à la con là. Non. Encore une clé. Putain. Allez, j'en ai marre de vous tous. Voilà. Nine. Coffre vert de la vie. Ok, on va voir ça. Ouais. Non, bon. Oh là là, je suis bleu. Non. Et lui bah zap. De la vie, excellent. Un putain de début, bon. Voilà. Oh là là. Bon, l'image, je m'en fous parce que j'ai plus besoin de clé. Ouais, c'est pas si grave.
Ouh là là, par contre lui. Putain! Ta mère! Oh là là, putain! Mais non, j'aurais dû attendre avant de lâcher ma putain d'écharpe de merde! Non. Non. Non, non. Ils savent pas où je suis. Oulala, non, 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 non. Boum, ça fait un ricochet de malade là. Valérie. Voilà. Ok. Toujours pas mort. Ok. Vas-y, crève. Des munitions, enfin. Voilà. Et un coffre. Oh, le pistolet joyeux. Ok. Qu'est-ce qu'il me vend ? Voilà, la balle. Ah, des clés, un bouclier. Éléphant tueur. Il faut que je... Il faut que je vérifie un truc sur l'éléphant tueur, parce que la dernière fois, j'avais un... Il y a un truc que je comprenais pas. Non, non, Elephant Gun. Double barrel, gun après d'astronome. Ok. Ok, d'accord. Le live, ok, j'irai après. Non. Tac. Tac. Voilà. Et la défigurative, donc on va prendre ça. On va prendre ça. Est-ce que j'aurai assez après? 34 plus. Ouais, j'aurai assez. Tu vois, je vais le prendre après. Non, 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 non. Je dis non. Oh, je t'emmerde, toi. Je t'emmerde! Voilà, putain! 3 vies! Enfin non, 4 avec eux. Avec ça. Non. Bon, bah c'est parti, on y va. Putain, 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 vite, 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 vite. Non, pourquoi j'ai pris l'essence? Tac. Putain.
Le laser, le laser, le laser. Non, ça c'est de la merde. Ok. Ça dégage. Non, non, l'essence, bah oui, il fallait que ça prenne feu. Putain, pute, non, je vais crever, je vais crever, je vais tellement crever là. Ok, ok, dernière phase. J'ai droit à une seule erreur. Une seule et unique erreur. Ok, ça s'est posé. J'ai mon épée, j'ai mon épée. À ce moment-là, je vais même pas prendre le risque. Voilà. On charge ça. Allez. Boum. Je l'ai fait, je m'en fous, j'ai débloqué le blasphème. On y va. Non, je veux pas faire non faire des balles. C'est parti. Allez, donne-moi ton passé à la con, là. Ah, je vais tellement me foirer sur ce passé. Je vais tellement me péter la gueule sur ce passé. C'est une des plus difficiles. Et vous verrez que son passé est une référence complète à The Legend of Zelda... A Link to the Past. Donc là on a la scène dans A Link to the Past où il y a peut-être mon oncle qui crève. Il y a que toi qui puisse nous sauver, j'ai tenté d'user notre arme ancestrale, mais sa conception est étrange. Est-ce que je vise à étirer une vilaine migraine au point de aussitôt. Mais t'as perdu son immense puissance. Donc là bah il est mort. Et en fait là notre blasphème là. Il est nul à chier. Il est nul à chier. Il envoie même pas de projectiles et on doit buter deux boss d'affilée avec ça. Donc là on a deux ennemis qui sont dans Link to the Past. Hein. C'est les trucs qui ont des boules de pique là. Ouh là là. Tac. Voilà. Et là on a la scène où t'as Zelda qui pousse le truc normalement. Et on accède à la salle secrète. Avec les deux trônes, hein, le trône du roi et de la princesse. Et là on a Aghanim. Ainsi c'est vous. Là-bas il craint les gars. Quand je vais toucher son terme, je vais me rendre la chute de l'os à nouveau. On va s'arrêter de toute sa puissance. Sa volonté. Il y a un espace, il faut pas faire une rabonté. Donc voilà, Aghanim c'est un peu comme le sorcier des ténèbres. On peut pas lui faire mal.
En fait, la seule façon de le faire mal, c'est comme dans, dans Zelda, hein, c'est d'envoyer la boule, comme ça. D'envoyer la boule. D'ailleurs, la plupart des Zelda fonctionnent avec le système de... Enfin, la plupart des boss des Zelda, enfin des vieux Zelda en tout cas, fonctionnent avec le système de renvoyant. De renvoi de boule. Ah oui, on peut pas arrêter les balles avec, avec les blasphèmes en bois. Donc, putain! Non. Non, même une vraie boule en fait que je peux renvoyer. Non. Là, ça risque d'être chaud. Allez! Et le truc, le sol va se craquer, et là on tombe dedans, et on va aller se faire péter la gueule, c'est parti. Et là, il est très bien fait le jeu de mots, vous allez voir. Voilà, le grand canon. C'est comme Ganon, sauf que c'est canon, c'est canon. C'est... Et évidemment, tout le combat est une référence à The Legend of Zelda. Par exemple, ce pattern là, et après ça se transforme en chauve-souris. Dans le vrai jeu, il fait déjà ça. Là, en fait, il faudra faire ultra gaffe. Et on est obligé de l'attaquer au corps à corps en fait. Oulala, ah oui, il fait tomber les trucs aussi. Ça fait beaucoup flipper. Allez, arrête de bouger là. Allez, là, ils vont tous se transformer en chauve-souris. Là. Je vais utiliser autre chose que une autre attaque là parce que pas t'attaquer là. Oulala. Non mais putain. Non c'est trop risqué. Je peux pas me permettre de me faire mal là maintenant. Ouais. Et il a enlevé un petit quart de sa vie là, donc c'est pas mal. Voilà. Voilà. Et oulala. Aïe. Putain. Encore deux coups, je suis mort là. Et non. Bon, je vais plus prendre de risques. À partir de ce moment-là, je vais plus prendre de risques. Du tout. Ah oulala. Oulala. Non. Non. La chauve-souris qui tourbillonne, c'est le pire. Qu'une seule vie.
Bon allez, tu téléportes, tu vas ici, tu sautes quelque part là. Voilà. Ah ! Putain. Ah putain, j'ai super mal au poignet. Ah. Ah putain. On va pas aller autre part là. Ah. Ok. Vas-y. Un, deux, trois. Non, non. Et il se remet dans un autre coin. Ah putain! Il règne en moi une déception cosmique. Fin de la vidéo.